Le numéro 22, incroyable doc, présenté par Jean-Emmanuel Charme, qui est déjà brillé sur cette piste, est une fille de Agamou de Borde et sexy doc. Elle est née le très tardivement, elle est née le 16 juin, elle a 38,87% de sang arabe. C'est la cousine de Dimitri Lot, c'était la star de Jean-Emmanuel Charme, qui a gagné notamment un grand prix à Tarbes, le plus grand d'abord en l'occurrence. C'est la famille aussi de Sudoc, un cheval extrêmement intéressant, parce qu'il s'est imposé dans la Coupe des Anglais, la grande tour de verre des 3 ans à Pau, hein, et il est aussi le deuxième du prix Beaugency à Auteuil. Le prix Beaugency, c'est une bonne épreuve pour les 3 ans, si je ne m'abuse. Donc voilà, là, on a un cousin, un très bon cheval d'obstacle. On sait que dans l'Anglais moderne, on tient absolument à faire sauter les Anglais et à montrer que ces Anglais sont capables de gagner des faits de course à Pau, mais aussi de réaliser. Avec les pursons ou votre facultaire, ça a été le cas du plus cousin Sudoc, puisqu'il a été le deuxième du plus Beaugency avant son exportation. C'est la soupe de Sixi, de Chèque, ça c'est pas ou d'autre, Chèque et Talon. Et puis les petits Sixidoc, a déjà donné naissance à un petit classique, en l'occurrence, c'est le même doc, et le deuxième du Beaugency de Chèque des 5 ans à Pau. Cette année, voilà, on reparle de ça. Une soupe d'or arabe qui s'est sautée. Et qui sait s'illustrer à un bon niveau, tout comme Samarado, qui a gagné le type de chef national des Anglais à Anguin, et le qui roule désormais à Auteuil. Voici donc pour le numéro 22, incroyable doc, né le 16 juin.